me prends la tête, j'ai la baisse, t'es au cul, ils veulent manger dans ma part. 3h du match, je dois récupérer de la zipette, j'aurai serein une fois qu'ils seront déposés. Et yop, tout le monde est beau, c'est Meiko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc beaucoup d'abonnés m'ont demandé comment tu fais pour avoir tes couleurs modées, etc. Bref, vous m'avez demandé nombreusement d'avoir des couleurs modées, donc ce que j'ai décidé de réaliser, c'est de mettre mes couleurs modées sur mon crew, d'accord. Donc pour avoir par exemple cette couleur modée, les potes, que j'ai du coup sur cette voiture, il faudra juste rejoindre le crew. Je vais faire un truc les potes, c'est que chaque semaine je changerai la couleur modée du crew, d'accord. Donc ce qui est cool sur ces couleurs modées les potes, c'est que vous pouvez changer le nacrage. Donc je vais vous montrer ça les potes, je vais monter dans la voiture et je vais vous montrer que vous pouvez changer, on va dire, le nacrage, en gros, rajouter du style à votre voiture. Donc pour ma part, moi sur la couleur modée, j'ai rajouté un nacrage blanc. Je trouve vraiment que ça rend bien avec mes roues blanches. Donc regardez, hop, on va dans Los Santos Custom. Voilà, j'ai mis la couleur sur mon nouveau véhicule. Et donc voilà, vous n'aurez qu'à rejoindre mon crew pour avoir ces couleurs, d'accord. Et dites-moi aussi si vous voulez un tuto comme ça, par exemple si vous voulez créer votre propre crew, ben, je vous ferai un tuto comment avoir vos couleurs modées sur vos propres crew. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, par exemple, la prochaine couleur de crew que vous voulez modder, d'accord. Donc voilà, vous allez dans la créer en fait sur les couleurs principales et vous pouvez voir en fait que vous pouvez encore rajouter du style à votre couleur modée, d'accord. Par exemple, moi je peux choisir, je sais pas, du rouge, il y a du rose, ça fait encore plus rose, le violet, le rose fait stylé. Moi j'ai laissé en blanc parce que je trouve vraiment que c'est stylé en blanc. Après, vous pouvez faire une petite couleur jaune. Voilà, bref, il y a vraiment plein de trucs à faire les potes. Elle est modée la couleur, moi je vais la laisser en blanche parce que ça rend bien avec les blancs, avec les roues blanches. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc pour avoir ces couleurs modées, vous rejoignez mon crew et dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo comment avoir ses propres couleurs de crew, d'accord, modées. Donc voilà, c'est un glitch qui va être super simple à réaliser. Il faudra juste un PC et de la connexion logique, d'accord. Voilà. Donc si vous voulez avoir mes couleurs de crew, chaque semaine je les change maintenant, voilà, ça commence à partir de cette vidéo. C'est la première fois que je fais des couleurs de crew modées sur mon crew, d'accord. Donc si vous voulez rejoindre mon crew, hop, c'est ça, ou sinon je vous mettrai le lien, hop. On est 521, je ne l'ai jamais partagé, d'accord, donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. Merci à tous ces potes, on va attendre les 1000 personnes sur le crew. Et s'il y a plus de place sur mon crew, ne vous inquiétez pas, je changerai le lien du crew. J'en recréerai un autre avec une autre couleur de crew modée. Comme ça vous aurez deux crews. Et par exemple si la couleur, enfin si la première couleur de crew ne vous plaît pas, vous aurez bien évidemment la deuxième. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour vous entraider de, par exemple, je sais pas, le braquage casino, etc. Tu m'as compris, what's the blablabla. Bref les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, donc en vrai c'était pas trop un glitch, d'accord, c'était juste pour vous dire que maintenant j'ai des couleurs de crew modées que j'organise chaque semaine. Donc profitez-en, vraiment mettez le plus de couleurs de crew modées sur vos véhicules. Et donc voilà les potos, c'était Meiko. Je pense certainement que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et voilà, allez, ciao.